Rejoins-moi sur Oviclip si ce n'est pas déjà fait, le lien est en description. Bonjour et bienvenue dans le Grand Quiz. Essaye de répondre bon à chaque question, une bonne réponse égale un point. À la fin de la vidéo, tu me diras en commentaire combien tu as eu de points, bonne chance. Question numéro 1. Où se situe York? Réponse numéro 1 en France, réponse numéro 2 en Angleterre, réponse numéro 3 au Canada, réponse numéro 4 aux États-Unis. La bonne réponse était en Angleterre. Question numéro 2. D'après de longues recherches, d'où viennent les créateurs de l'âme fâchée? Réponse numéro 1 de France, réponse numéro 2 de Russie, réponse numéro 3 des États-Unis, réponse numéro 4 d'Inde. La bonne réponse était d'Inde. Question numéro 3. Qui est Saïd M. Rumbaba? Réponse numéro 1, Black M. Réponse numéro 2, M. Pokora. Réponse numéro 3, Soprano. Réponse numéro 4, Kinvé. La bonne réponse était soprano. Question numéro 4. Combien fait 9 x 8 x 7 x 6? Réponse numéro 1, 3021. Réponse numéro 2, 3022. Réponse numéro 3, 3023. Réponse numéro 4, 3024. La bonne réponse était 3024. Question numéro 5. Dans les premières saisons de La France un incroyable talent, qui animait l'émission? Réponse numéro 1, Alex Good. Réponse numéro 2, Jérôme Anthony. Réponse numéro 3, Sandrine Cormand. Réponse numéro 4, Alessandra Sublet. La bonne réponse était Alessandra Sublet. Question numéro 6. Qui n'a pas chanté Paname? Réponse numéro 1, Léo Ferré. Réponse numéro 2, Edith Piaf. Réponse numéro 3, Slimane. Réponse numéro 4, Gims. La bonne réponse était Edith Piaf. Question numéro 7. Combien y a-t-il de vidéos sur ma chaîne YouTube? Réponse numéro 1, moins 200. Réponse numéro 2, entre 100 et 200. Réponse numéro 3, entre 200 et 300. Réponse numéro 4, plus de 300.
La bonne réponse était plus de 300. Question numéro 8. Quelle est la particularité des Baudinzes ? Réponse numéro 1, ils sont fermiers. Réponse numéro 2, ils travaillent à la poste. Réponse numéro 3, ils travaillent au restaurant. Réponse numéro 4, ils travaillent dans un hôtel. La bonne réponse était « Ils sont fermiers ». Question numéro 9. Comment s'appellent les personnes qui vivent à Istanbul ? Réponse numéro 1, les Istanbulois. Réponse numéro 2, les Stambolisains. Réponse numéro 3, les Stambouliotes. Réponse numéro 4, les Istanbuls. La bonne réponse était les Stambouliotes. Question numéro 10. Quel âge aurait Jules César s'il serait encore en vie ? Réponse numéro 1, 863 ans. Réponse numéro 2, 1063 ans. Réponse numéro 3, 1863 ans. Réponse numéro 4, 2063 ans. La bonne réponse était 2063 ans. J'espère que ce quiz t'a plu, dis ta note en commentaire. Je profite de ces dernières secondes pour te demander d'aller t'abonner à ma chaîne Viclip et YouTube qui ont le même pseudo, la chaîne de maths. Et rejoins-moi sur Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook et Discord, tous les liens sont en description. Et moi en attendant, je te dis à la prochaine, bye!